ça y est, on y est à l'aéroport. C'est un trip qu'on attend depuis longtemps. On va prendre l'avion direction la Suède. Au programme, 3 heures de vol. Direction la capitale suédoise, Stockholm. Ça y est, on y est les gars. Bienvenue à Stockholm. Le premier coup du sort ne donna rien, mais il était facile de deviner le potentiel de cette ville. Et il fallait attendre le bon moment. Allez, juste avant d'aller peut-être pêcher un petit peu, on va arriver au magasin de pêche, donc au Stockholm, le grand magasin Sonner Sport Fiske. On va essayer de glaner des infos et puis acheter quelques leurres. Malheureusement, les vendeurs du magasin confirmèrent cette première impression. Ah, c'est vraiment le paradis sur Terre. Ouais, il y a tellement de leurres. Il va y avoir 150 mètres carrés que de leurres à broc. Incroyable. On trouve que des gros leurres, c'est ça qui est bon. Rien que la visite du magasin de pêche, c'est unique. C'est vraiment tout ce qu'il faut pour la perche, le brochet, c'est incroyable. Plein de leurres qu'on voit pas chez nous, qu'on va profiter pour faire quelques emplettes. Le vendeur nous a dit que la pêche était très difficile vu que l'eau était très chaude en ce moment. En Suède, il y a eu une canicule qu'ils n'ont pas vue depuis je sais pas combien de temps. L'eau est très chaude, donc du coup ça va être compliqué. On va faire les coups du soir. J'espérais faire quelques poissons suédois. En tout cas, on va rester un petit peu dans le magasin, faire quelques emplettes. Salut les gars. Salut les gars, 6h à Stockholm, on va se tenter le coup du matin. On est sur une petite île là, juste au milieu de l'eau, juste derrière nous, et puis il y a un petit coin qu'on a essayé hier soir. On va essayer de se le tenter ce matin. On va voir si l'activité est là. À 6h, on y voit combien plein jour. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, donc bon. Allez, on va vite mettre des leurres, commencer à pêcher là. Un joli petit pont, on va essayer de se le faire. Et puis en espérant qu'on voit ces perches suédoises là. Allez go. Premier poisson pour Thomas. Bien joué. Regarde la grosse derrière, regarde la grosse derrière. Il y en a une grosse? Ouais, c'est 30. 30 secondes pour moi. Oh, elle l'a pris. Oh putain, elle a décroché. Première paire suédoise, les gars, de Stockholm. Allez, on va la remettre à l'eau. Yes. C'est bon ça, on continue. Ouais, oh elle est belle.
Ouais. Yes, Stockholm, c'est pour ça qu'on est venu, yes. Jolie perche. Belle petite perche. Il est 6h du mat. Magnifique, c'est joli bon. Poisson. Deuxième lancé. 38-39 on va dire. Ah peut-être pas, peut-être un peu moins, je crois. C'est un peu moins. 35 ouais. 35. Elle est jolie hein. Elle est belle. Yes. Allez on la relâche, on relance notre truc. Yes. 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 A lancé un poisson. Ça enchaîne les fiches là. Yes, yeah, petite perche. Ouais. De Suède. Belle, belle, belle. Grosse, grosse perche pour Hugo. Ah ouais, c'est la même taille que l'autre. Belle perche. Au-dessus de 30. Magnifique. Super poisson. Très très beau poisson, bien gras, ils sont actifs là, c'est vraiment le bon moment. Il est 6h du mat à peu près. C'est, il fait jour là, vraiment. Le soleil se lève super super tôt à Stockholm. Faut se lever tôt pour en profiter là, de ces belles perches. Super. Nice. Allez, ça repart. Yes. Yes. La pêche est complètement morte, même en changeant de l'heure, en tentant plein de trucs. Il n'y a rien à faire, les poissons sont pas là et les créneaux sont très petits. Alors on va attendre le coup du soir et puis essayer de reprendre un peu plus de poissons. Allez go! De retour dans le centre de Stockholm pour pêcher, il y a beaucoup de vent, on va se faire un petit coup du soir. Franchement on découvre la ville, c'est vraiment magnifique. Une très très belle ville avec un très bon pays. Yes. Et bon pour la pêche aussi ça a l'air pas mal. Même s'il a fait très très chaud et on a des conditions de pêche difficiles, on va essayer de faire un petit coup du soir. Essayer de faire quelques poissons quoi. Ouais c'est ça, c'est ça. Un petit coup du soir, beaucoup de vent, ce sera peut-être bon pour le brochet. Qui sait, on va voir. On va pêcher. Et juste apprécier ces moments. Ouais. Allez, go! Voilà, ça c'est bien. Joli! Perche! Là, on bouge pas, on est sur un spot, et là, on enchaîne les petites perches. Thomas il en est déjà à sa 3/4ème. C'est pas du gros mais on espère que ça va grossir.
Ce coup du soir marquait la fin de notre séjour à Stockholm, une ville exceptionnelle et une première découverte de l'archipel suédois. Et rendez-vous pour un prochain épisode suédois. Allez, ciao !